Le bilan dans l'ensemble est plutôt satisfaisant. Je pense qu'on aurait pu faire mieux, notamment à domicile, en termes de résultats. Voilà, on est à la 6e place, avec un match en retard. Probablement, peut-être, si on gagne le match en retard, à 4 points du leader. Donc, je trouve que c'est raisonnable, malgré qu'on ait... Voilà, on aurait pu faire beaucoup mieux quand même, notamment les quelques points perdus à domicile. Oui, alors c'est difficile de dire que le bilan est positif, parce que forcément, quand on se lance dans un projet, on a beaucoup d'ambition, et aujourd'hui, mathématiquement, ça ne corrobore pas tout à fait l'ambition qu'on avait, mais malgré ça, bon, force est de constater qu'on a quand même un nombre de matchs joués à l'extérieur très important par rapport aux matchs joués à domicile, donc le classement est un peu faussé, je crois qu'on est à moins de 3, ou moins de 4, je ne sais plus, ce qui est énorme, ce qui est énorme. Et ensuite, on a le parcours d'une équipe qui monte à l'extérieur et une équipe qui descend à domicile. Donc, ben, on attend un peu de savoir lequel des deux va l'emporter, en espérant bien sûr que ce soit le parcours de l'équipe qui monte. Le bilan est quand même positif, parce que sur ce qu'on voit sur le terrain, sur ce qui est en train de se mettre en place dans l'équipe, force est de constater que les choses ont évolué dans le bon sens et qu'on n'est pas loin. Voilà. Et il nous reste à trouver ce petit pas loin... À trouver la solution et que les joueurs la trouvent aussi pour passer ce palier. Mais je suis plutôt confiant sur la première moitié de saison. Et puis après, on va faire le bilan à la con mathématique. C'est vrai qu'on a perdu des points contre des équipes de bas de classement, notamment à domicile, qui aujourd'hui nous mettraient dans une situation idéale pour la montée. Mais comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Ben, si tu perds pas à domicile, tu n'es pas sûr d'aller gagner à l'extérieur, parce qu'on a quand même une équipe à réaction. En même temps, souvent, on a eu des victoires au domicile aussi en réaction à des mauvais résultats à la maison. Après, ce qui greffe le bilan comptable et mathématique, c'est une science exacte. Hein, c'est d'avoir marqué moins de buts que certaines équipes et avoir marqué moins de points que d'autres. Quoi. Voilà. C'est ça qu'il faut corriger. Pour moi, la défaite d'Alès, elle a été bénéfique pour le groupe, parce que derrière ça, il y a eu une remise en cause, une remise en question un peu sur l'ensemble. Et derrière, ça a eu une conséquence de 10 matchs sans défaite. Donc, je trouve que voilà, cette défaite, elle a été un peu l'élément déclencheur de notre remontée. Après, la vraie contre-performance, c'est le match de 7. Là où je pense qu'on a complètement déjoué ce match. Mais je pense que c'est là qu'on perd les points. Et sur le match à domicile à Fréjus, où normalement on doit remporter ce match. Alors moi, j'ai pas un match référence dans la totalité. La première mi-temps qu'on a faite au Sporting, elle était vraiment de très très haute qualité. Et aussi le match de Fréjus, où dans l'ensemble, voilà, on marque pas. Mais je pense que réellement la première mi-temps de hier, Sporting Club Toulon hier. Morad aussi. Oui, c'est la seule fois où on a marqué 4 buts déjà. Hein. Voilà, bien sûr. Mais après, moi, je pense que la victoire importante, c'était celle à Toulon en deuxième journée, puisqu'on avait perdu à Auxerre. On avait deux matchs à l'extérieur d'entrée. Et le fait aussi de se retrouver éventuellement à 0 point après 2 journées, ça pouvait nous donner mal à la tête très vite. Et nous plonger dans une mini-crise, quoi. Et le fait d'être allé attraper ces 3 points en deuxième journée à l'extérieur, à Thonon, qui sera pas simple à jouer cette année, hein, qui sera dans le match, hein, ça nous a permis d'entrer, de s'y positionner en milieu de tableau après 2 matchs à l'extérieur. Voilà. La régularité, hein, c'est ça, c'est d'être régulier dans les performances. Pour l'instant, on n'est pas régulier dans nos performances. Et c'est à moi aussi de corriger certaines choses, peut-être amener un petit plus, voilà. Et puis sur la phase retour, je dis aux joueurs que la phase aller, elle nous sert à faire des erreurs pour les gommer sur la phase retour. Voilà. Donc sur la phase retour, je pense que vous verrez le meilleur visage du RFC. Alors, déjà,
moi, souvent, j'ai été souvent sur la même longueur d'onde avec le président, des fois non, mais je vais commencer par ça. D'abord, pour moi, la réussite d'une saison, elle commence par la relation président-entraîneur. Et nous, aujourd'hui, sur les 6 premiers mois qu'on a fait, voilà, même dans la difficulté, j'ai senti le soutien de mon président. Donc ça, c'est quelque chose de très, très fort et de très, très important qu'on a envie de lui rendre sur le terrain. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est que voilà, la phase aller, elle sert à se mettre en position pour que sur la phase retour, on soit dans le bon wagon pour disputer cette première place au mois de avril, on va dire. C'était un peu particulier, la relation président-entraîneur, parce qu'au départ, Karim était bien sûr... Bien sûr, très intimidé face à moi, quoi. Je peux le comprendre. Hein. Donc, il a fallu d'abord lui expliquer que j'étais quelqu'un de normal, qu'il pouvait me parler normalement, que c'était pas la peine d'avoir toutes ces marques de respect qui sont justifiées, je le répète, mais qui pouvaient peut-être à un moment donné passer à une autre étape. Et donc, on arrive à avoir une relation, je pense, intéressante. Et puis après, moi, la façon dont je bosse, elle est assez simple. Hein. Il fait tout et je fais le reste. Sur le dernier match, on peut dire oui. Bon, après, c'était le même jour que France-Maroc. Mais j'ai trouvé que les supporters étaient quand même présents, étaient au rendez-vous lors de nos matchs à domicile. Et je pense que sur la phase retour, il y aura beaucoup plus de monde à Perruque, notamment aussi quand on a joué à la Moutonne où le stade était rempli. Ben, si on joue les premiers rôles, le stade sera plein. Voilà. Moi, j'en suis convaincu. Alors d'abord, moi, quand j'ai repris hier, je connaissais ce déficit. Quand j'ai repris le RCT aussi, Mayol était vide. Hein. Avant de remplir le Vélodrome à 65 000, il a fallu passer quelques étapes. Donc il y a les mêmes étapes à passer ici. Par contre, on compense ce déficit de supporters qui sera comblé par un nombre de partenaires incroyables. Je veux dire, là-dessus, on est sans concurrence au plan national. Et ça, c'est un vrai bonheur, parce qu'on a vraiment beaucoup d'entreprises nationales, hein, je veux dire, de la région, mais aussi de la France entière, qui nous soutiennent, qui viennent au match. On a signé des boîtes qui sont sur le maillot, qui sont à Lyon, à Paris, et on pensait que c'était pour nous faire plaisir. Et non, non seulement ils nous soutiennent, mais ils viennent au match, ils assistent, ils discutent avec nous, ils essaient d'avoir des nouvelles de recrutement, où on en est. Donc ce suivi-là, il est très, très, très valorisant. Après, il y a des supporters que je veux pas non plus, voilà, que les choses soient claires. Il y a des supporters qui peuvent être nuisibles pour le développement d'un club, notamment au niveau des familles, au niveau des partenaires, parce que le football, c'est une fête. Le football, c'est un spectacle. Et le football, c'est du partage entre les gens, du partage des émotions. C'est pas du partage de la haine. Alors, j'ai vu que les dirigeants de Martigues se sont vexés parce que j'ai dit que je sais pas où c'est. Martigues, je sais tout à fait où c'est, bien sûr. Je connais, c'est une très belle région. Alors, nous, au départ, on avait regardé Martigues et puis en fait, on avait jusqu'au mardi 14h, et le mardi 14h, on n'a toujours pas reçu la lettre de la ville nous disant qu'ils étaient d'accord pour nous laisser le stade. Donc on n'a pas pu candidater, puisqu'on n'avait pas ce courrier. Je suis un peu mitigé, moi, sur... Alors très content de jouer un 32e de finale contre l'OM, et après... On verra. Et après déçu un peu de... voilà. Moi, ce que j'ai pas accepté, c'est qu'on nous interdise... Pas Mayol, on nous interdise le 83 et on nous interdise le 06. Voilà, là, c'est en fait, on n'a pas le choix. Et ça, c'est vraiment un peu décevant. Après, voilà. Après, l'attitude de l'OM, on les a contactés plusieurs fois, ils ne nous rappellent pas. C'est pas très dérangeant, nous, on est un petit club. Et je suis habitué à ces dirigeants qui vivent sur les actifs et le passé des autres. C'est un peu le cas à l'OM, c'est le cas ailleurs aussi. Donc, comme j'ai un peu ce genre d'habitude, ça ne m'a pas vexé. Ouais, on a voulu jouer à Perruque, mais bon, je veux dire, je vous dis, moi, à la Fédé, je connais personne. Dans le rugby, j'appelais le président de la Ligue, c'était réglé. Hein. Dans le foot, il y a des aberrations. Là, on a un joueur qui est suspendu, là, Sanoun, il n'a rien fait. Et ça fait 4 matchs qu'il est suspendu, il n'est toujours pas jugé, entre guillemets. Ça veut dire qu'il est présumé coupable. Ils ont inventé ça dans le football. Et donc, s'il est jugé et qu'on lui donne 2 matchs, qu'on dit, ben non, finalement, vous avez rien fait, parce qu'on a les images, il aura quand même une peine de 4 ans, de 4 matchs.
C'est un peu comme si vous mettez un mec en prison 4 ans et puis vous lui dites ben finalement c'est trompé, t'étais innocent quoi, on t'a mis au casou. Voilà, c'est l'aberration de ce sport mais après bon, je veux dire que la fédération, on a tous compris depuis quelque temps qu'il y avait quelques zones de non-droit quoi. Non, moi j'en ai rien à foutre de ce match. On en a rien à foutre, moi j'ai dit que on voulait jouer ici, Martigues, on va voir ce qu'on fait. Peut-être qu'on fera les collègues 2, parce que j'ai bien aimé les collègues 1, c'est pas exclu. Mais aujourd'hui, Marseille est tout sauf un objectif. Voilà. Donc ils peuvent déjà préparer le 16e de finale. Nous, moi, à titre personnel, j'en ai absolument rien à cirer. Et les joueurs, leur objectif, c'est le match suivant contre Jura Sud. Voilà. Et Marseille, Martigues, on verra ce qu'on fait. Voilà. On verra ce qu'on fait, parce qu'on nous a quand même manqué de respect. Et pas qu'à nous. On a manqué de respect au département et à tous ceux qui aiment le football dans ce département, parce que même s'il y avait quelques excités, l'immense majorité était pour la fête du football dans le Var. Voilà, mais la problématique est toujours la même, c'est que un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Quand on voit les résultats après l'annonce du match, on a eu une contre-performance à 7. Ouais. Là, contre l'Olympique Lyonnais, mercredi, les joueurs ont répondu présent et samedi, on fait un match nul à Aubagne où on a senti les joueurs concernés et concentrés sur ce match. Voilà, il n'y a pas eu de. Ils n'ont pas freiné pour éviter de prendre le carton jaune. Non, donc moi, je ne pense pas que c'est joué dans les têtes. Mais il y a eu un frein. Il y a eu. Le fait que ça ne se joue pas dans le Var, ça a eu l'effet inverse, en fait. Vous avez vu ? Alors, on était tous excités par ce match et le fait qu'on ne le joue pas ici, ça nous a. Je pense que ça aurait fait beaucoup de bien au football varois et à tous les clubs. Peut-être même au club de Toulon, qui aurait peut-être réalisé à ce moment le potentiel qu'il pourrait y avoir autour du football et ce qu'on pouvait réunir. Et ça aurait peut-être donné de l'énergie, de l'envie supplémentaire. Quoi. Je pense que pour tous les clubs de notre département, ça aurait été une véritable fête et une véritable source de motivation pour dire il faut absolument qu'on avance quoi, sur le football. Et c'est un peu ce qu'on nous enlève. Il y a des crétins qui ont sûrement dû penser que ça pouvait être nocif pour eux, alors qu'en fait, c'était bon pour tout le monde. Quoi. C'est l'exemple de ce week-end, hein, sur la place de Toulon. Il y avait 5000 personnes devant oui. Le match de l'équipe de France. Hein, donc, la ferveur y est, quoi. L'engouement est là. Donc, il fallait juste accepter qu'on joue sur le département. Oui, c'est ça. On voulait mettre en avant le football. Après, chacun en aurait fait ce qu'il en voulait et en prenait ce qu'il voulait. Mais bon, il y a eu des obstacles. C'est pas grave. Je veux dire, dans la vie, on en a vu d'autres. Hein, on en a vu d'autres. Hein, je veux dire, et puis après, on sait jamais. On ne sait jamais, peut-être que Marseille va déclarer forfait quand on pourra une occasion. Parce qu'ils sont venus voir le match contre Bagne, ils sont partis à la mi-temps. De reste, je pense qu'ils n'étaient pas inquiets quand ils sont partis à la mi-temps. Non, moi je dis ce que je pense. Et aujourd'hui, aller jouer Marseille à Martigues, la façon dont ça se passe, j'ai pas une motivation extrême. Après, j'ai lu les règlements, hein, je vois très bien les sanctions qu'on peut avoir. Donc, peut-être qu'on fera les collègues 2, on va voir. J'ai fait prendre quelques licences à pas mal de personnes, là, dernièrement. Personnes surprenantes, d'ailleurs. Et puis, on va voir l'équipe qu'on va monter, là-bas. On ne sait pas. Voilà. On n'a pas décidé exactement. Mais ça peut être... au moins, ça sera du sport-spectacle, quoi. Voilà. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que les gens verront des buts. Voilà. Même beaucoup. Mais bon, que d'un côté. Ben nous, on apprend hein, tous les jours. On apprend à travers le terrain, on apprend à travers, à travers le travail quotidiennement. Donc, moi, non, au contraire, moi, je trouve que c'est quelque chose de positif. Non, je ne pense pas être volubile. Moi, je suis toulonnais. Hein, et vous voyez, je ne veux pas le répéter, on craint des gueules. La base du toulonnais, le caractère de base du toulonnais, c'est de ne pas s'enlever. Voilà, et de ne pas se laisser faire. Voilà. Être toulonnais, c'est d'abord ça. Voilà. Et moi, je peux dire que dans ma vie, je me suis retrouvé une fois face à Mike Tyson. Je me suis pas enlevé. Il m'aurait massacré, mais je me suis pas enlevé. Donc, je m'enlève pas. Et je pense que c'est ce que j'aime dans le caractère du Toulonnais. C'est le fait de pas s'enlever, quoi. Quelle que soit la personne en face, quel que soit le pouvoir qu'elle a, quelle que soit sa dimension, le Toulonnais s'enlève pas. Après, seul le résultat compte. Hein. Et on verra à l'issue finale si j'avais raison, si j'avais tort. Mais des fois, on fait des choix. Et des fois, les choix sont dictés aussi par le choix du joueur.
Ben, il y a certains joueurs qu'on souhaitait conserver, qui n'ont pas voulu continuer. Donc, c'est ce métier-là, c'est de trouver les bons éléments aux bons endroits et de faire une équipe qui gagne. Ben, après, on fait des choix, on élimine, et puis après, il y a des départs qui n'étaient pas liés à nous. Hein, je veux dire, il y a des... Et après, moi, je respecte. Il y a des joueurs aussi qui étaient sous contrat, qui ont souhaité partir. Moi, je respecte toujours la volonté du joueur. Quoi, voilà. Après, les cimetières sont pleines de chances irremplaçables. Hein, donc, un joueur, c'est d'abord l'envie. Je veux dire, si un mec ne veut pas rester, même le meilleur contrat du monde, il ne faudra pas qu'il soit bon, il ne le fera pas bien jouer. Puis après, il y a des joueurs qui estimaient qu'ils avaient une valeur qui était pas, sur laquelle on n'était pas en phase. Quoi, voilà. Donc, ça arrive et on ne s'est pas fâché. Et moi, je leur souhaite le meilleur. Voilà. Mais bon, c'est la vie, ça. Ben, l'objectif numéro un, c'est de pas descendre, parce qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui vont descendre. Et puis après, c'est essayer d'être dans le match. Hein, je dis pas qu'on va monter, hein, mais j'ai envie de voir à quoi ça ressemble là-haut, quoi. Voir commencer d'être à la bagarre pour la montée. C'est un truc que je connais pas. C'est la seule année où je suis monté en rugby. Ça s'est joué très vite. Au bout de 7 journées, on avait 7 victoires, donc c'était réglé. Il y a pas eu de bagarre. Mais j'ai envie de voir commencer quand on se bat pour la montée. C'est tout, mais je sais pas si on va y arriver. Hein. Je veux dire, moi, je fais preuve de beaucoup d'humilité parce que c'est pas simple. Ce que les gens réalisent pas quand même, c'est qu'on est dans une ville de 60 000 habitants. On a au niveau des infrastructures, c'est quand même compliqué. Moi, je suis arrivé, c'était une page blanche. Par rapport à ça, on construit un budget qui est un des plus gros budgets de National 2. C'était pas simple. Et on reconstruit toute une équipe. Enfin, voilà, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Et malgré ça, ben on est pas loin d'être dans le match. Il me manque 2-3 points. Mais moi, je pense que sur la phase retour, on va vivre des émotions. Ça va être les montagnes russes. Voilà. Mais il faudra rester calme. Et je sais que la phase retour, elle est complètement différente de la phase aller. Les équipes, tout le monde va perdre des points, tout le monde va en gagner. Mais c'est l'équipe qui sera la plus régulière qui va gagner ce championnat. Mais voilà, je reste persuadé qu'on sera là. Puis moi, j'ai confiance en Karim. Je vais le dire devant lui, mais moi, je pense qu'il est habité par ça, quoi. Moi, je suis pas un joueur de football, j'en suis pas un spécialiste. Hein. À la différence que moi, je le dis, alors que d'autres ne le disent pas. Moi, je le reconnais, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je sais de juger les hommes, quoi. Et Karim, il est habité par le football, quoi. Il faut avoir le Covid, ne plus avoir d'odeur et de goût pour pas le voir, quoi. C'est-à-dire, il est habité par ça, quoi. Il vit que pour ça. Je crois que il doit penser football 23 heures par jour et personne ne sait ce qu'il fait la 24e heure, quoi. Voilà. On va finir. C'est juste. On va essayer, quoi. Voilà. Mais sans obligation, mais c'est pas facile d'être ailleurs. C'est beaucoup plus dur que d'autres, hein, parce que comme tu l'as dit, dans cette ville, d'abord, il y a le basket, il y a le rugby, c'est pas une très grande ville. Et ce qu'on fait aujourd'hui, les gens réalisent pas, mais c'est vraiment pas mal, quoi. Je veux dire, c'est vraiment pas mal ce qu'on réussit avec les moyens qu'on a. Après, Karim, c'est pas lui qui marquera les buts, hein, donc on essaie de se donner des objectifs raisonnables et de pas se donner des responsabilités qu'on n'a pas. Je veux dire, c'est moi, je ne suis pas celui qui est chargé de faire en sorte que le football gagne la Ligue des Champions dans le Var. Quoi. Je veux dire, c'est pas, moi, simplement, j'essaie de faire en sorte que hier figure pas trop mal en National 2 et éventuellement se mêle à la bagarre de la Nationale. Quoi. Voilà. Je sais qu'on va réussir. Voilà, je le dis sans prétention, avec toute humilité. On doit progresser sur plein de points, mais voilà, ça fait seulement 6 mois de travail. Et je reste persuadé que si on continue comme ça, on va en faire quelque chose de très bien. Ça peut être le mot de la fin que... Bah déjà, de bonnes fêtes pour tout le monde, ça c'est important. Profitez bien, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer en 2023. Je ne parle pas que de football, quoi. Donc, première chose à espérer, c'est que le championnat... se termine. Qu'on monte ou pas, c'est quand même la priorité que le championnat se termine et qu'il soit pas arrêté par des événements dramatiques, comme ça a été le cas il y a quelques années, voilà. Et que j'aimerais bien monter en national, c'est vrai, mais que ça serait encore plus agréable
de monter en national dans un monde apaisé. Compliqué le mot de la fin. Bon, déjà, de souhaiter de bonnes fêtes à tous et d'être au rendez-vous sur la phase retour. Voilà, parce que nous, on sera présents. Et j'espère qu'il y aura un maximum de personnes pour venir nous encourager, partenaires, supporters, détracteurs, qu'on essaye de rassembler tout le monde pour une issue finale positive.